Monde ici que... Salut tout le monde, ici Katana, et on se retrouve une nouvelle fois pour la suite de Banish. On avait construit pas mal de puits. Ça a l'air de bien se passer au niveau de la ressource, au niveau des herboristes, on n'arrive toujours pas à produire beaucoup d'herbes. Combien on produit d'herbes? C'est une bonne question ça. Production. Graph. Herbs. Rien à produire. Alors à moins que ça soit consommé tout de suite. Hein. Pire, donc les poires, mais il me semble que j'ai déjà acheté les poires. J'ai pas acheté les poires? Ah bah ça. Hein. Poire, on va les prendre. Une poire au chocolat. Alors 2500, 2500. Et l'autre, bah, c'est pas la même chose. Voilà. Donc là, ça va construire la taverne. Là-haut, ça va construire petit à petit. Donc là, on a quelques workers en plus. Là, il faut aider un peu la construction, hein, c'est un peu lent. Un homme de nos herbalistes. Ah, tiens, à propos d'herbalistes, tiens. Hop, et on pourra en faire un là-haut. Ça ne coûterait pas grand-chose. Non. Faut pas en faire un trop, entre guillemets, près des montagnes, parce qu'on va faire des mines là et là. Ce serait con que ça bouffe de la place. Voilà, les premiers puits qui sont en train de se construire, parfait. Lui, il est en train d'être construit aussi, parfait. Ok. Les gens vont s'arrêter à côté du puits, bon, ils vont se parler, hein. C'est un endroit romantique à côté du puits. Allez draguer aujourd'hui à côté d'un puits. Je vous assure, c'est un effet, hein. Top. Alors, là pour l'instant on peut en mettre un cinquième. Qui construit, ici on a du bœuf, c'est une autre chose, ici là-haut on a du chicken, on devrait avoir, ah, on a pas... on a de la peau mais c'est pas très utile. On a pas mal de, ouais, on a pas mal de peau, donc on va pouvoir s'en servir. Ici on peut planter, ici on pourra pas encore planter. Et on a besoin de construction hein, pour l'instant. Voilà, termine-toi ton petit puits, c'est important. Parce que ça serait con que tout ça prenne feu par exemple. Un beau stock. Hein? Puis ici, juste on a posé la pierre, mais on n'a rien fait de plus. Ici, on va construire, on n'a rien fait. Ici, là-haut non plus, on commence à poser les ressources, mais en fait, vu qu'on a plein de puits à faire, bah, ça nous demande beaucoup de construction. Ah, pouf, on va pouvoir mettre deux constructeurs en plus. Voilà. La bouffe est toujours au-dessus de 10 000. Ça me va. On se tire un peu. Ici, le petit puits. On n'a pas le temps de tout récolter. Et putain, ici on est complètement full. On pourrait se faire un marché ici aussi, hein. Peut-être pas mal d'ailleurs. Histoire d'alléger un peu, on le met par ici. Ça permettrait d'alléger ces deux qui sont complètement full, donc on va faire ça d'ailleurs. Alors, il faut que ça englobe les deux. Voilà. Ouf, voilà, ici. Hop, et toi ici. Pouf, voilà. Puis ici tu vas construire aussi. Pouf.
Ça amène, hein, mais les chantiers n'ont pas encore commencé. C'est la construction, ça prend du temps. Voilà. Oh! Attention. 36 students, ça va. Hop, les puits sont toujours en cours de construction. Ici, ça va commencer à couper, hein. On est en hiver, tous les paysans qui n'ont rien à faire aident à couper. Faut pas déconner non plus. Voilà. On va faire aussi des tunnels, hein, pour aller de là et de là-bas. D'ailleurs, on pourra d'ailleurs aussi les initier rapidement. Voilà. Parfait. Comme ça, les ressources vont poser, les gens, voilà. Le plus important, c'est que les ressources se posent, en fait. Ici, pouf, les gens iront marcher là, et ils vont alléger ces deux qui sont complètement pleins. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Voilà, ici la pierre, ça va. Les puits se construisent tranquillou. C'est bon, c'est bien. Là maintenant, il doit y avoir de moins en moins de construction à faire, c'est une bonne chose. Ça va prendre pas mal hein, quand même. Voilà, l'iron qui descend d'un coup. Voilà, on va mettre 10 constructeurs, un truc qu'on fait très rarement, généralement. Ah tiens, ah oui, c'est vrai, la taverne. Il va falloir un tavernier qui s'occupera de récupérer uniquement la cerise. Par exemple, qu'est-ce que ça mange ici? Ça mange beaucoup de pepper. Ouais, ça bouffe de tout. Voilà. Si ça pourra aller là-haut, même si ça n'ira sans doute pas. Je suis pas sûr qu'ici ça ramène beaucoup d'ailleurs, je suis en train de me dire. Alors, le puits là, peut-être qu'on devrait mettre un autre puits par ici. Je veux vraiment pas que ça, entre guillemets, que les gens aillent l'autre bout pour chercher un puits. Ça m'énerverait beaucoup. Bon, il y en avait un là, d'accord, c'est pas très bon, comme ça ils traverseront pas le pont, ce qui est pas plus mal. Voilà, ça va construire. Ah, ça y est, ça construit aussi là-bas, c'est parfait. La taverne va bientôt être terminée. Voilà, donc toi tu vas prendre du cherry et tu vas me faire un tavernier. Pour l'instant, t'auras pas grand-chose, hein, parce que les récoltes sont pas encore faites. D'ailleurs, on va devoir encore agrandir et faire d'autres cherries. Hop, voilà. 13 sur 13, là encore. Voilà, les fishermen qui vont arriver aussi. Parfait, ça s'installe de tous les côtés, c'est bien ça. Il faudra un lunch coat cutter aussi. Ça, on va le faire. Attendez, 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 où est-ce qu'il y en a? Ouf, ça commence à prendre pas mal de place quand même. Faire attention, hein. Faut pas oublier des mines des deux côtés. Hein. Voilà, toi et toi, tu te superposes pas, mais magnifiquement bien. C'est tant mieux. Déjà, le beans peut se poser, ça c'est une bonne chose. Toi, t'es toujours plein, plein, plein. T'es plein de quoi d'ailleurs? T'es plein de fish, putain, le nombre de poissons qu'il y a. C'est vrai que c'est. Ça bouge du poisson. Ici, ça va bientôt se faire. Voilà, ici, hop, ici tu fais aussi des cherries. On va faire de la poire aussi, parce que la poire c'est bon comme pas possible. Voilà, donc ici on va commencer à baisser un peu et augmenter là. 32, ok, bon, ça suffira pour l'instant. Voilà, comme ça le poisson, c'est vraiment une denrée que vous pouvez avoir facilement le poisson. Vraiment pas se gêner entre guillemets.
Voilà. Là, ici, il serait bien de faire un petit. Ah, bah oui, on aura un tunnel qui permettra d'aller ici, d'ailleurs. On va essayer de faire ça. Ça dépose déjà un peu de pierre. Parfait. Voilà. Ici, on peut avoir deux herboristes de plus. C'est-à-dire que ça produise un peu plus de d'herbe. Médicinale, bien sûr. Médicinale. Allez, hop. Ici. Normalement, ouais, il y en aura un, mais c'est peut-être un peu pas suffisant. Deux. Il en faut deux par marché, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Oh. Là, oh, et oh. The Gatherer, ok, ça ira. Désolé, c'est pas le plus important, entre guillemets. Voilà, ça va se remplir, ça va alléger un peu. Ces deux qui sont complètement pleins. Voilà, c'est très bien, ça va alléger très largement. Donc, hop, voilà. Ici, ça s'est bien construit. Voilà, ici, ça va faire. Ici, pour l'instant, ça ne peut rien faire. Et voilà, là, ça va produire, à mon avis, un peu d'alcool. C'est une bonne chose. Parce que l'alcool, faut quand même un peu, entre guillemets, fêter les mariages, les naissances, tout ça, c'est une bonne chose. Voilà. Voilà, donc là, il y a de la peau. Là, on a tout au niveau des outils. Au niveau de l'iron, on est très très bien, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de la pierre, on est toujours un peu just, mais bon, la pierre, comme on avait déjà dit dans les autres épisodes, c'est normal qu'on soit toujours un peu just. Voilà. Donc là, est-ce qu'au niveau des écoles, ça commence à être bondé? Un petit peu. C'est pas non plus encore complètement plein. Au niveau des cathédrales, on est pareil. Bien. Si ça commence à se vider, si ça commence à se vider, là aussi, c'est parfait. C'est exactement les chevets recherchés, donc parfait. Puis les gens, ils vont se fournir un peu partout. Ça, eux pourront peut-être avoir un peu de buff. C'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, ce serait bien que j'en fasse aussi un peu d'autres. Du buff. Est-ce que je peux? Ah oui, je peux. Je pense. Normalement. On va peut-être faire aussi un petit endroit de buff. Par exemple, là-haut. Là, parce qu'ici, on va pas faire de mine, je pense. Juste, tiens, on commence à regarder. Si on pourra pas, donc on va pouvoir faire ici, côté du tunnel, ici. Oh non, c'est une blague. Ah, notre tunnel fait chier. Mercredi. Ah, mercredi. Ça ira de l'autre côté. Oui, ça ira de l'autre côté, très bien. Donc on va faire des bœufs ici. Des bœufs. Alors, des bœufs. À peu près, mais bon. Bœufs, des bœufs, des bœufs. Histoire de bien nourrir la populace, quoi. Ici, ça pousse. On va continuer à refaire d'autres maisons, mais cette fois en pierre. De l'autre côté aussi. Voilà. Ce que je vois, c'est que c'est quand même pas trop mal ce que je fais. Ici, ça se vide, 50%, 50%, c'est très bien. Ici, c'est à combien? C'est à 66%, c'est bien. Ça, c'est à 6%, c'est très bien. Ici, c'est à 51%, c'est parfait. Ici, c'est bien ou pas? Bon, oui, écoute, hein, ils vont s'alimenter au marché, de toute façon, c'est pas très loin. Ouais, c'est bien. Ici, ils sont quand même assez loin du truc, donc on va peut-être quand même leur faire un petit storage. Histoire qu'ils puissent se nourrir, enfin qu'ils puissent stocker surtout. On va faire un storage ici. Voilà.
Hop, donc ici, c'est temps que ça déblaye un peu. Ah, on est déjà à la limite. Ah oui, on est déjà à la limite. Donc on va augmenter l'iron, la limite. Parce que ça, on n'en sera jamais, je pense, à court. Là aussi, on est à la limite. Et ça commence à être la limite de pas mal de choses, on va dire. Maintenant, il faut juste s'agrandir au niveau de la populace. Ah, d'ailleurs, à propos, notre tunnel est construit. On pourra faire un autre pont. Ici. Pouf. Voilà. Ici. Ah merde. Pas fait de passage. Zut. Oh monsieur. Ça passe. Parfait. Ah oui, très bien. Pouf. Et là, on pourra faire un autre tunnel, et limite, on pourrait aussi traverser ce magnifique truc là, une espèce de grosse montagne. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on la traverse comme ça, c'est droit. Je pense que c'est pas impossible, bien d'ailleurs. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Pouf! Pouf! Par contre, c'est chiant parce que. Ouais, j'aurais bien voulu quand même qu'il fasse le tour et que ça aille là, quoi. On pourrait pas faire un. Est-ce qu'on peut. Ah, ça serait marrant, tiens. Est-ce qu'on peut faire un tunnel? Ah non, on peut pas. Parce que. Voilà. C'est déjà un tunnel, je pense. Ouais. On peut pas croiser le tunnel. Ce serait bien, quand même. Voilà, donc ici aussi, ça nous coûtait 176 de stone. On va d'ailleurs un peu baisser les miniers. Est-ce qu'ils sont le minier? Voilà, et on va en mettre un peu plus sur la stone. Voilà. Histoire de. Ah oui, tiens, c'est une info. Parfait. Parce que pour l'instant, là, ils doivent aller vachement loin pour récupérer leur firewood, donc c'est un peu chiant. Qui va le faire? Ah, 500. Alors ça. 1000, les gars. Allez-y, carte blanche. Voilà. Donc là, on est bientôt à 190. On va bientôt arriver à 200 personnes, 200 adultes. C'est quand même une belle ville, 200 adultes. Et on a un peu d'herbe, ça y est, ça commence à arriver, pas trop tôt. Purée. Et on a des herbes, ici on a de quoi, on peut manger. Oui, on a. Oh là là. On est largement équipé. Est-ce que notre taverne travaille? Oui, elle a l'air, écoutez, elle produit de l'alcool. Hein. Très bien, très bonne chose. On va faire des poires maintenant, puisque les poires c'est bon. C'est bon les poires. Poires au chocolat. Ceux qui connaissent. Voilà. Hunter, attendez, j'ai pas vu qui est mort. Ok, donc ça a l'air d'aller. The Hunters et les Hunters, et il nous en manque un seul. Ça va, écoute. Il y a pire. Ils travaillent sur quoi, nos constructeurs? Parce que là, il y a 25 projets, mais à part, j'ai pas fait non plus 36 000 maisons, faut pas déconner. Si? Parce que je les ai foutus déjà. Je perds la mémoire. Où est-ce que j'ai foutu mes maisons? Je sais plus. Sincèrement, je ne sais plus. Où est-ce que j'ai foutu mes maisons? Alors, on va faire des bulles. Et on va splitter. Où est-ce qu'il est, celui-là? Ah, on peut pas le splitter, zut. Bon, bah, ça va être des chicken, hein. À moins qu'on en achète, mais on va déjà hop, splitter les chicken. Dès qu'il y en a 10, je pourrais les splitter en fait. Poire. Donc là, on va baisser. Oh, il nous en faut un. Voilà, et nous, on va monter. 31, il nous en faut. Les fichiers maintenant augmenter. Voilà.
Ah bah oui, les enfoirés, c'est lui, les enfoirés, bien sûr. Alors, peut-être que celui-là en bas, il est où? Où sont mes poulets? Ils sont là. Ou alors peut-être que... Oh, garbage. Cabbage. Mais j'en ai déjà, je te remercie. Que moi, par exemple, ça, j'ai plus besoin, je te remercie. J'ai deux. Hop. En fait, il faudrait que je reste attentif. Ou alors peut-être les moutons. Est-ce qu'ils sont les moutons? Ils sont là, les moutons. Mais non, c'est ce que je me disais. Et c'est ça le problème. C'est que là, pour l'instant, je peux pas splitter. Qu'il faudrait que j'ai des chickens qui se libèrent. Dès qu'il y en a 10, en fait, il faudrait que je clique et pouf, que celle-là, ça remplit, quoi. Alors, d'ailleurs, à propos, tiens. Ah, ils sont là. Nos fameuses maisons. Allez, un dixième, un petit chicken là. L'autre côté, non plus. La dead. On va mettre un peu plus de gens à la pierre, parce qu'on en a besoin. C'est ce qui est l'eau. Allez, split, je voudrais juste split. Un de plus, un tout petit poulet de plus. On va accélérer. Dès qu'il y en a un, je clique. Vite! Voilà. Pouf. Qui vont aller là-haut. Voilà. Et normalement, les personnes travaillaient. Pouf. Voilà. Ça se remplit, monsieur. Grosse montagne là, elle va permettre d'accéder à ça. Tu veux pas forcément une vallée très très hein, très intéressante, mais bon. Toi, tu nourris, hop, tu nourris pas mal de monde quand même. Par exemple, toi, tu bouffes quoi? Tu bouffes toujours la même chose, toi. Hop, bah, il faudrait peut-être que je fasse un marché. Enfin, le mieux, ça aurait été de faire un marché ici. Mais bon. Ah, j'ai pas énormément de bouffe par ici. Hein. Et en même temps, tout est en train de se cultiver, donc oui, tu m'étonnes. Cultiver. Bébé. Alors, tiens, est-ce qu'on peut pas se faire de un peu de viande ici, par exemple? Si, hein. Si, 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 on va faire ça. On va refaire le trio infernal du Gatherer Hunters. Et du Forest Lunge ou pas? Parce qu'on est bien déjà au niveau du Forest Lunge, donc non, on va faire que les deux. On va faire que les deux pour l'instant. Là, normalement, toi, par exemple, tu dois se produire pour ces trois-là. Ils sont bien nourris ceux-là. De tout. C'est bien, en tout cas, ça a l'air de bien se faire. Tout est un peu overchargé, hein, sauf la bouffe. La bouffe va diminuer un peu, je trouve, quand même. Ah oui, on a moins d'infigeurs en même temps, pouf. Le poisson, ça, c'est vraiment une denrée qui nourrit tout le monde. Si on pourrait faire un tunnel géant, mais bon. Celui-là est pas mal, hein.
Niveau pierre. Oh, tiens d'ailleurs, à propos de niveau pierre, ici ça sert à rien, les gars. Est-ce qu'on pourrait pas mettre une petite carrière? Ce serait pas mal ici, je crois. Hop. Et ici aussi. Et pouf. Là. Non, peut-être pas l'iron. L'iron ne sert à rien. Voilà. Voilà, ici aussi. Attendez, oh. Fishman, Forester, Trader, Mineur. Ouais, t'es calmé là? Ah oui, mais attendez. Ouais. Bon, et pas tous non plus. Voilà. En tout cas, ça se fait tranquillou. Là, par contre, si je clique dans les vieilles baraques, normalement, je devrais trouver encore pas mal de vieux. Voilà, les vieux. Ah, les vieux. C'est pas bien. Personnes âgées, entre guillemets, ont eu une vie avant nous. Ils méritent, entre guillemets, leur vieillesse. On n'a absolument rien le droit de leur dire. C'est normal. Ils étaient la France d'hier, et nous sommes la France d'aujourd'hui, donc... on devrait, entre guillemets, être plus ou moins reconnaissant. Je pense que c'est une bonne philosophie, comme ça, de se dire, il faut être reconnaissant des personnes âgées, parce qu'ils nous ont aidés d'être ici, aujourd'hui. Et dans la situation où on est. Bon. Ok, ici, putain, ça nourrit bien. Là, on a pour un bon moment, je pense. Voilà, donc ici, ils vont aller un peu moins chercher à l'autre bout. En tout cas, on voit qu'il y a plus beaucoup. Enfin, on voit que c'est de la forêt pure. Voilà. Il y a des arbres. Par contre, il n'y a plus de pierres, plus rien. Alors là, on voit que c'est bien que c'est bien. Hein. Toi, t'arrives toujours à produire de l'alcool, c'est bien. Ah oui, effectivement, tu as récupéré pas mal pour faire de l'alcool. Hop. Donc là aussi, ça va être pas mal. La poire, c'est pas pour tout de suite. Oui, qu'est-ce que tu m'apportes dans la trading post? Pas grand-chose qui m'intéresse que la bouse. C'est pas que ça m'intéresse pas. Mais ça m'intéresse pas. Steel tool, c'est vrai que c'est plus efficace. Ça parce que Firewood, hein, on a toujours trop. On peut se prendre de la bouffe aussi, tiens, qu'est-ce qu'ils ont? Pas grand-chose, ils ont du poulet. Allez, on prend le poulet. Et ça, on en a pas mal. Tide. Pouf! Allez, comme ça, on a pas mal de bouffe qui va arriver d'un coup. Inonder un peu le marché et ça va aussi faire marcher un peu nos autres coûteurs hein, parce que là clairement c'est un peu au chômage du les pauvres. Voilà, toi tu bosses un peu plus. Voilà, l'hiver arrive. Un peu de pepper, des œufs, c'est très bien, du poisson. Ça va permettre d'aller un peu moins loin. Toi, c'est bon, tu termines, c'est bien. Pouf, un couple va s'installer dès que ça va se terminer. Magnifique. Ah, voilà nos petits trucs qui rapportent de la bouffe entre guillemets gratuite. C'est très bien. Les herbes, ça produit vraiment beaucoup d'herbes quand même.
Mais pourtant, on est au max. Pourtant, on est au max. Je pense que je vais arrêter l'épisode ici, parce que là, on en est vraiment pas mal, je trouve. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.